Nous poursuivons la saga des produits Rochefontaine avec une nouveauté, les mini poireaux. Je les égoutte parce que je vais faire une flammiche. J'ai allumé le four à 220. Je vais mettre ma pâte après cuire. Alors là, j'ai fait de la pâte feuilletée, mais je peux aussi acheter du commerce une bonne pâte. Soyez vigilants là-dessus. Il faut que la pâte, si vous l'achetez dans le commerce, elle soit une pâte pur beurre. Ça, c'est indispensable. 15 minutes. Pendant ce temps-là, 2 œufs, la crème. Je vais mettre un petit peu de noix de muscade aussi, du sel, un petit peu d'emmental, mais je peux mettre Comté, Beaufort, emmental, ce sont des fromages français qui sont parfaitement de qualité et qui sont tous des fromages d'appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire des AOC. Je mélange mon appareil. On va ranger les poireaux. Encore un petit peu d'emmental. Le four est toujours à la même température. Je le glisse dans le four. Il y a 15-20 minutes, vous regardez, vous surveillez. Vous ne pouvez pas me dire que c'est compliqué, 15-20 minutes dans le four, à la fin, une petite minute sous le grill plein pot, puis c'est fini. Voilà ce qu'on fait avec les petits poireaux de Rochefontaine. Tout bête, une flammiche, c'est une pure merveille. Voilà, je peux rien vous dire d'autre.